et plusieurs l'hôpital signalé un recrudescence plein par balle. Yo a plein dans urgence yo et moun a débarqué par pile par paquet. Yo recevoir balle, soit balle perdue, soit c'est le moun qui souffrent qui recevoir balle yo pour l'hôpital la paix. Comment ça est? Est-ce que gagne du chiffre nous capable partager ensemble avec nous? Et bon, pour l'hôpital la paix, et réalité a li pas différent probablement de l'hôpital yo. Et nous recevons effectivement depuis à peu près un mois, nous recommençons à recevoir un pile monde avec les pare-balles. Et que c'est une réalité que nous avons aux alentours du mois de mars, avril et mai. Et nous avons un pile monde avec les pare-balles. Donc, mais depuis ce mois de mai, nous avons remarqué que il était vraiment baissé. Mais depuis à peu près un mois, et nous recommençons dans même logique là, nous recommençons à recevoir un pile moun avec plein par balle. Et des fois, c'est peut-être deux ou bien trois moun avec plein par balle et par jour. Donc, ça qui arrive que il y a le SID moun qui n'est plein par balle superficiel, ça veut dire qu'il pas forcément arrêté l'hôpital là. Mais, dans à peu près majorité des cas, et c'est des moun qui besoin en chirurgie, ça veut dire c'est des moun qui besoin d'entrer en salle d'opération. Est-ce que nous gagnons de chiffres, nous capables partager avec la population? Est-ce qu'on a essayé également font comparaison entre la première trimestre de l'année 2022, côté de gagner un pile plein babal qui était convenu dans l'hôpital là, avec qui on dit trimestre ça, dernier trimestre année 2023. Alors, on va parler de l'année 2023, premier trimestre année 2023 avec dernier trimestre. Et premier trimestre année 2023, et ça veut dire zone janvier, février, peut-être même jusqu'au mois d'avril, et nous te qu'on remarqué que nous recevons à peu près en général par jour, entre 2 à 3 plaies par balle par jour. Et le moins dit peut-être 2 ou 3, peut-être on est pensé que c'est pas beaucoup. Et maintenant, réalité pas nous, et c'est pas comme si son bagage qui était, et bon. Jodi a, son bagay qui vin ou habitude. Et, mais avant, c'est pas comme si dans l'hôpital, yo, chaque jour, t'es connu un pleu balle. Son bagay qui vin beaucoup plus souvent, jodi a. Nous-mêmes qui médecins, nous habitués beaucoup plus à elle. Et donc, premier trimestre là, nous t'es connu souvent en 2 à 3 pleu balle par jour. Ce qui veut dire que, et non moins, nous, ouais, quantité de pleu balle que ça fait. Donc, le comparer là avec le dernier trimestre là, est-ce que nous recevons on va pas nous pas du dernier trimestre là ou parce que au fait nous remarquons que recrudescence là aux alentours du de début juillet, mais qui a tendance effectivement et pendant mois d'août là recommencer et non pattern qui bon à peu près 2 à 3. Et il n'est pas toujours 2 à 3, mais en général, ces jours-ci, nous recevons 2 à 3 mounes et qui recevoir plein par balle, qui viennent pour plein par balle. Et mounes sont sortis de tous côtés. Et ça, vraiment, pas qu'à bon, une localisation directe. Ça peut dépendre de qui zone et qui a un problème. Nous recevons mounes qui dans la zone, ça, qui a un problème. Ça peut dépendre de l'heure à tout. Et parce que, dépendamment de l'heure, n'a pour manquer que nous recevons plus monde des fois la journée. Dans la nuit, nous avons essayé de rester le plus que possible dans la zone côté bagal arrivé. Vraiment des docteurs, et puisque nous connaissons, j'en dis, en réalité, pas nous, c'est pas de ça que l'ité y est, c'est pas quantité moun sa, nous te qu'on recevoir, mais qu'on y a une augmentation. Est-ce que nous gagnons moyen pour prise en charge, ou est-ce que les moun sa y arrivent dans l'hôpital la paix, c'est pour l'autre côté, y'a voué, peut-être soit sous route, y'a rien droit pas même, et qu'arrive côté au pralé. Est-ce que nous gagnons moyen pour nous faire prise en charge, ou? Je dis à nan niveau l'hôpital la paix, nous essayons faire effort pour et pour moun yo rete pour prendre soin la caille nous. Bon, bien sûr, il y a moun ki pa ka rete, et si li pa nan critère nous, on dit que son moun ki recevoir un plein par balle au niveau de la tête, la besoin de neurochirurgien. À ce moment, nous pa gen neurochirurgien l'hôpital là.
et si son monde qui recevoir on plaie pas balle qui sous colonne vertébrale li et nous pas travailler sous colonne vertébrale l'hôpital là mais si son monde qui recevoir on plaie pas balle que ce soit dans thorax que ce soit dans ventre que ce soit sous un membre nous gien orthopédiste nous gien chirurgien et l'hôpital là fonctionne 24 sur 24 et donc nous fait prise en charge là bon bien sûr il y a toujours un challenge parce que en général monde ça yo et des fois si son balle perdu peut-être que monde dans c'est la caille lié li vini donc des fois parents qu'on accompagne mais nous tout connaît tout que c'est pas comme si en général haïtien pas gon compsiré pour l'hôpital donc ce qui veut dire que l'elle rive l'hôpital là même le son l'hôpital l'état et n'a pas soin certes mais il y a une série de bagages là bien pour le faire bon pour malade là rentrer dans salle d'opération et ça il pas un problème parce que malade là gien cob que malade là pas gien cob et au niveau de l'hôpital là permet malade là rentrer dans salle d'opération parce que son urgence quel que soit plaie pour balle là son urgence et donc nous ba yo soin normal que ce soit au niveau urgence là que ce soit si au niveau et salle d'opération pour malade là opéré normalement nous pas gien problème ça et en général nous recevoir tout type de malade yo. C'est s'il pas rentré dans critère médical ou que nous pas recevoir. Mm-hmm. Et maintenant est-ce que alors rapidement préciser pour moun yo là qui attendait nous qui peut-être c'est si en urgence peut-être recevoir on balle dans tête ou bien abdomen qui va au courir au lieu que yo aller directement à l'hôpital la paix était quand même au niveau du abdomen nous pas de problème ça au niveau du abdomen l'hôpital la paix recevoir normalement mm-hmm. et si malade la recevoir on plaît pas balle au niveau de la tête et si soit li aller en côté qui gen neurochirurgien nous pas gen pile neurochirurgien en Haïti et m'pa gen chiffre là exact mais m'pa pensé que yon pile et peut-être deux ou trois maximum peut-être quatre j'ai pas le chiffre exact donc ce qui veut dire que ça pas fait un paquet de monde ça pas fait une quantité de côté qui ka aller et m'a prend peut-être exemple et peut-être au niveau de et l'hôpital Bernard Meuse, je n'ai pas fait publicité pour eux, mais l'hôpital Bernard Meuse, il y a un chirurgien, donc il y a un malade qui t'a supposé qu'il a pris un plaie par balle. Mm-hmm. Et maintenant, et tranche d'âge, plus mon nous recevoir, est-ce que c'est de Timoun, est-ce que y a un âge moyen non. Ou bien c'est de Gamou? Pour l'instant, on reçoit, et dans le chiffre, nous ne recevons pas recevoir Timoun. Nous recevons et plus ou moins moun qui est jeune, nous recevons des moun jeunes. Et mais les balles perdues, y a pas vraiment et qui est sous timoun, mais balles perdues en général, li pratiquement toute catégorie d'âge parce que son monde qui retire à la caille, il cap dormi et puis li prend balle et c'est retiré le well prend balle. Et mais majoritairement ce sont des jeunes. Mm-hmm. Donc c'est peut-être un avantage tout c'est que et ça veut dire risque opératoire dépendamment du côté lié, ça veut dire si des jeunes et li plus facile pour le recouvrir et pour guérir. Ça va dépendre tout de qui bol prend balle là parce que on plaît pas balle par exemple banal j'en nous penser. Mm-hmm. Alors gen plusieurs institutions sanitaires qui fait face avec difficulté ça question insécurité a des fois on connaît un monde qui recevoir un balle et qui gonfle par balle qui vient prendre soin la caillou. Et puis gagner des individus qui armés qui rentrent dans l'hôpital là soit qui prend mon nom qui a la veille ou bien exécuté nous même dans l'hôpital la paix nous pas fait face avec situation ça et pour cette année non et on n'a pas eu ça pour cette année et nous pas de problème ça année ça donc ce qui veut dire que c'est pas nous pas de problème ça veut dire toutes les probables tu vois ou dit année ça c'est que nous te connons fait face avec lui avant. En fait, la violence, elle est partout. Violence là, elle vivait, même Jean-Noël, là où il y a, elle vivait tout dans l'hôpital. Yo. Parce que des fois, moun nan vini, moun nan besoin de prendre soin, li besoin aller vite. Et des fois, c'est peut-être deux moun rival. Donc, il y a toujours des types de bagages. Mais pour cette année, nous essayons de faire gens. Donc, nous pas quoi nous répertorier. Et problème ça au niveau de l'hôpital la paix pour année ça mais nous connaît que il y a l'hôpital qui fait face à ça je veux dire. Mm-hmm. Font une comparaison pour nous docteur Lebourg, est-ce que nous joignons plus monde qui prend balle perdue ou bien monde qui vient yo tendance plus aller vers de monde qui sous le fond même j'allais dire soit policier ou bien des hommes armés.
À la vérité, nous pas recevoir un pile policier parce que probablement peut-être yo gen en tête avec l'hôpital, ça arrive effectivement que nous recevoir policier, mais un petit peu rarement. Cependant, les balles perdues, ratio balles perdues et des balles de sur les fronts, et on pas qu'à dire effectivement si c'est sur les fronts parce que au fait et là, on vient de l'hôpital, la première chose, c'est l'urgence. Mm-hmm. Et c'est après, peut-être, qu'on a posé question, yo. Et, mais, effectivement, gain en pile balle, nous, on manque en pile balle perdu, surtout la caille, mesdames, yo. Et, des fois, c'est peut-être un machin qui prend le marché, ou bien son monde qui couche la caille, et, ou bien son fiancé, et qui recevra en balle, et donc, et, plus balle perdue, c'est surtout la caille fille. Et la caille garçon, yo, c'est des violences, un petit peu directes. Et nous recevons n'importe monde qui recevoir balle, et soit c'est des affrontements, ou bien c'est des monde qui a passé, mais les balles perdues, majoritairement, c'est les femmes. Et en parlant de femmes, yo, certaines fois, c'est pas balle perdue, yo victime, mais c'est de l'autre violence. Qui est catégorie de violence, nous recevons autre que balle perdue, yo prend. Bon, et au niveau de l'hôpital La Paix, bon, nous situons à Delma, et mais il y a l'autre institution qui travaille dans la violence et sous forme et qui Delma tout qui MSF. Et donc ce qui veut dire que nous recevons violence sexuelle tout, il y a des violences sexuelles et mais c'est pas en grande quantité parce que majoritairement ils tournent vers MSF, Médecins sans frontières. Bon, ben c'est que et docteur Ali li pote plus précision pour nous. On nous dit pendant période ça, m'songe t'ai gagné une petite difficulté avec question électricité, nous t'ai gagné des projections pour l'hôpital là, comment ça y est fonctionnement nous là pour moment ça. Et bon, et les difficultés ne vont pas disparaître de coup. Et difficultés sont toujours là, mais de toute façon, et tant que nous là nous obligés à avancer et pour l'instant, nous recevons et plus ou moins le courant de ville. Nous on avait pu se procurer un petit carburant. Donc, ce qui veut dire que il n'y a pas de difficulté réelle de ce côté-là. Ça veut dire que quel que soit où on vient, la besoin de soins et qui nécessite à cal. Si dans panneau plus soins que nous cabayou. Et la besoin de soins que nous supposons cabali. Et bien sûr tout. Tout plaît pas bas, ça a été tout malade qui a pris dans salle d'opération. Tout ça aussi, ça a un coût. Et nous recevons quand même des aides et de quelques organismes et qui aident nous. Parce que tout coût ça a eu, et l'hôpital là, t'es n'a pas qu'à permettre et supporter tout coût ça a eu. Parce que là, on vient, c'est pas le ça pour demander ni l'argent, ou bien est-ce qu'il a acheté ci, est-ce qu'il a acheté ça. Donc, au niveau de urgence, l'hôpital là, peine, on essaie de faire un gros effort pour le malade là, vini, et pour le recevoir les premiers soins et adéquats, sans qu'il pas obligé de gratter tête. Oui, avant l'hiver, nous connaissons plusieurs institutions et l'État coup privé fait face avec une capable de programme Biden qui frappe. Comment ça y est dans l'hôpital La Paix, personnel, tout le monde là? Non, la réalité est le même pour tous, le même pour tout le monde. Que ce soit l'hôpital La Paix ou bien l'autre côté, effectivement, on perd du personnel, on a perdu des professionnels qui formaient. Et qui peut-être des fois t'es formé dans le pays, il y a des professionnels qui t'es assez indispensable, mais que malheureusement situation pays a fait ou a déplacé. Et donc pour l'instant c'est ça la réalité, parce que non seulement on a parlé de plein par balle, faut toujours connaître tout que l'hôpital là peut recevoir plusieurs autres, nous recevoir accident de la voie publique, nous recevoir l'autre malade qui a mouru avec AVC et maladie cœur, maladie tension. Et donc qui fait que l'hôpital là toujours est sous tension, et nous avons une occupation de lit qui est aux alentours de 92 à 94%, ce qui veut dire que, et là encore son réalité, parce que, au cas venir, on plaît pas balle, nous balle juste les premiers soins, après ça, nous disons, bon, les cas ont des difficiles pour nous qu'il y ait, parce que des fois, nous pas gagné quand même au niveau des urgences, et des fois, nous n'avons pas compris ça, et bon, ça a tout occasionné des violences, et des fois, sur le personnel. Et, bon, même si c'est des violences verbales, mais quand même, c'est ces violences sous personnel là qui, parce que nous n'y a pas d'accord que l'hôpital y a pas de place, mais je dis à son réalité, l'hôpital là, est plus ou moins situé dans une zone
qui permettent qu'il continue à fonctionner, ce que peut-être l'hôpital pas gagné, qui chance qu'il n'a pas gagné. Donc, du coup, tout le monde s'est vidé vers l'hôpital La Paix, qui quand même a une capacité qui pas extensive. Ça veut dire, quantité de gagnant, il n'a pas qu'à mettre plus sous ça. Donc, ça veut dire, le rive dans le côté où le rive, qu'il n'a pas qu'à recevoir moun, non, pas qu'à recevoir moun. Donc, et ça, c'est une réalité. Et quand même, effectif, la travail, nous, en sous-effectif, ça, c'est une réalité, et tout le monde compte ça. Et nous continuons à perdre du monde de temps en temps, qu'à partir dans le programme Biden. Donc, c'est ça, la réalité. Avant nous aller, docteur Lerbou, bien de l'hôpital qui, signal de reconnaissance plus par balio, yo plus yo di yo recensé plus moun ki victime nan tête et nan thorax. Nous même comment ça y côté pa nou? Nan côté pa nou et li on ti jan li un petit peu plus éclaté. C'est vrai que nous recevons plus abdomen et thorax. Et nous recevons abdomen et thorax un petit peu plus, mais nous recevons nan membre dou. Et abdomen et thorax, ce qui veut dire que malade là forcément il y a obligé à regarder côté balle là qui passe qui bol qui fait et donc c'est ça. C'est plus balle et puis l'autre constat tout c'est que les calibres aussi aujourd'hui sont de plus nous recevons balle avec de plus gros calibres. Qui dit plus gros calibre, ça veut dire vélocité à li plus, ça veut dire tout impact li gen sou malade là li longtemps plus. Et ça veut dire que des gars qui fait yo grave donc c'est ça la réalité. Avant aller et docteur Lerbou, rappelez-vous mon yo qui prise en charge prépa bal nous pas prend et qui prise en charge prépa bal nous prend au cas où t'as gagné deux monde la captant de nous qui t'a victime mais t'as gagné monde bon la caillou victime pour rapidement au bas de direction. OK et nous plus ou moins gagne deux critères que nous pas recevoir malade qui gagne plaie pas bas sous colonne vertébrale yo et nous pas recevoir malade tout au fait nous recevoir nous bailler premier soin après ça nous voyons aller et nous voyons aller vers et des fois soit l'hôpital général ou bien l'hôpital Bernard Meuse dépendamment ou bien et nous pas recevoir tout malade qui prend balle au niveau de la tête qui très probablement pas besoin de chirurgien. Donc ça veut dire nous pas besoin qu'il y ait l'hôpital là parce que soin que nous ou mériter nous pas cabaoul parce que nous pas une spécialité à la caillou. Mais après ça toute l'autre prépare balio nous recevoir. Ben, après ça toute l'autre prépare balio en général nous recevoir yo et moi j'ai oublié souligner une autre challenge qui gagne tout c'est le sang. Au fait qui dit prépare bal et des fois il y associé avec des risques hémorragiques, ça veut dire des risques pour malade là abcès. Si malade là abcès, c'est sang qui pour remplacer sang. Même là dans courir opérer des fois nous besoin sang. Donc et si c'est un monde qui pas prévoit ça ou bien c'est un monde qui dans la rue des fois joindre sans pour lui, il pas évident et problématique ça en Haïti c'est un sujet de conversation. On pense qu'il t'a supposé pour tout le monde parce que tout le monde jodi a des fois aucun problème ou bien que ce soit en pharmacie ou bien que ce soit plein pas balle, il ont des gens difficiles pour nous joindre ça parce que justement et on ne donne pas assez de ça. Donc ça tout c'est un gros challenge parce que rentrer dans la salle d'opération avec un monde capsé faut qu'à remplacer ça là donc des fois c'est un gros challenge pour nous. Mais c'est ce centre national de transfusion sanguine qui alimente nous bien et nous gagne de l'autre source d'alimentation dans la salle. Non, centre national de transfusion sanguine. OK. Et nous même nous pas fait collecte. Pour l'instant non et pour l'instant, nous pas fait collecte, mais c'est peut-être un objectif, mais pour l'instant, nous ne fait pas de collecte. Est-ce que ça qu'on arrive à quelqu'un qui perd de la vie ou cause problème sans parce que nous connaissons vraiment difficile les gens qui arrivent dans CNTS là pour t'ajouter sans parce que pas vraiment quelqu'un sans disponible. Vrai, est-ce que quelqu'un qui arrive perdu la vie ou non sans ça? Bon, bien sûr, mais quel déplaît pour balou bien des femmes enceintes et problématique ça, l'arrivé en dans l'hôpital yo et li occasionner des morts et des complications aussi. C'est bien dommage. Donc si on moun là li t'a souhaité bay l'hôpital universitaire la paix, c'est centre national pour aller. Oui, centre national. Donc le mieux effectivement c'est peut-être difficile de demander ça aux gens
et dans condition ça yo, mais c'est sang pour nous bailler pour nous joindre sang. Oui. Donc c'est le sang qui remplace le sang, c'est pratiquement un devoir citoyen parce que on pas connait qui l'aura dans situation ça, donc le plus que possible c'est essayer sensibiliser les jeunes yo, et surtout les jeunes, et par rapport au don du sang, parce que c'est tant que offrir au monde peut-être et la vie ou qu'à prolonger la vie au monde al bail un petit goût de sang. Donc c'est quand même un bagage que nous avons supposé accentuer sous lui, et pour nous gagner sang le plus que possible disponible pour le monde besoin et en dans l'hôpital. Merci un peu lui docteur Lobo pour disponibilité, ça fait nous plaisir, toujours disponible pour nous, merci un peu. Ok, d'accord. Et au fait, j'ai un dernier conseil, surtout par rapport au play par balle. Et toute balle qui monte, la peut descendre quand même. Ce qui veut dire que le monde de balle à tirer, le plus que possible, essayer de camper derrière au mur. Pas arrêter dans l'espace qui est un petit peu ouvert. Parce que depuis le monté, l'app descend quand même. Il est l'app descend, et nous pas qu'on a qui vitesse, nous pas qu'on qui vient l'app descend. Donc, le plus que possible, si nous t'en tirer dans zone, nous pas arrêter des fenêtres, à regarder, essayer de camper derrière au mur, ou bien essayer de rester un petit peu à terre, pour éviter des balles perdues. Oui. Merci un peu, docteur Lerbo.